On travaille 15 heures par jour, et tous les mois, le prix de la viande baisse un peu plus. Je suis le maire, nom de Dieu. Nous, on est en train de crever à petit feu. What the fuck is going on? Balbu, y a un gars qui veut passer, là. Il dit qu'il est américain. Et si connu que ça, votre New World? Le photographe? C'est une star. Bonjour. Bonjour. Je suis à vous dans deux secondes. Give the baby. À la vache. Monsieur Newman va demander aux gens du village de venir poser. Enlevez les vêtements. Make it. De poser tout nu? Ça sert à rien de bloquer les routes, faut frapper plus fort. On est déjà à poil, on va pas se déshabiller en plus. On verse du lait sur l'autoroute? Non, mais ce qu'il faut, c'est, je sais pas, proposer quelque chose de différent. Frapper les esprits, quoi. Bah on se prend alors. On va se mettre tout nu, sur un champ. Tout le village, tout nu. Si on fait cette photo, ça fera pas une minute trente aux actualités régionales. Ça sera un raz-de-marée. Et dans 10 jours, tous au champ Cholet. Les Américains ne mettront jamais le pied chez moi. Tu vas la montrer, ta quéquette? Écoute, Maurice, on est en guerre. J'ai pas envie, je te dis. Et j'ai rien à cacher, hein. Monsieur Balbuzard, on vous a pas élu pour déshabiller le village. Et vous, Gisèle, vous allez venir poser avec nous, hein, belle comme vous êtes. On va déshabiller nos femmes, maintenant. Vous en êtes où avec les modèles? Ah, il y a encore des petites résistances. Bonjour! Je suis très content de faire une photo ici. Les paysans, c'est la plaie de la nature, on devrait leur interdire de vivre à la campagne. Je vous dis franchement, j'en ai assez de la Normandie. Bah c'est bien fait pour votre gueule, vous aviez qu'à m'écouter. Vous l'avez laissé tomber, Balbuzard, voilà. On s'est pas rendu compte, c'est tout. J'ai rien à cacher, moi.